Selon un rapport de l'ONU, au moins 5 personnes ont été tuées dans de fortes pluies sur l'est et l'ouest du Soudan, qui ont provoqué de graves inondations. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a déclaré que plus de 17 000 personnes avaient été touchées depuis la fin du mois de juillet et que des centaines de maisons avaient été détruites. Dans le même temps, un camp frappé par la famine, accueillant environ 500 000 personnes dans la région du Darfour déchirée par le conflit, et est confronté à un nouvel afflux important de personnes déplacées. Suite à l'intensification de combats entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide qui ont éclaté en avril 2023.